Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nish Mat Abraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani et Dvora Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Yvamot, Perikud Alef, Mishnah Bet Agioret, Shenit Gayru, Banea Ima. Lo Cholzin velo Miyabamin, Afilo Horato Shel Risho Shelo Bigdusha, Veladato Bigdusha, Vacheni Horato Veladato Bigdusha, Vechen Shifra, Shenishtach Rehu, Banea Ima. Je traduis directement à Gioret. Une Guillorette, une convertie, Shenit Gayru Banea Ima, qui a eu ses enfants, qui se sont convertis en même temps qu'elle, avec elle. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que le Cholzin velo Meyabemin, ils n'auront besoin ni de faire la Khalitza ni le Hiboum, hein, par rapport à la femme de l'autre. Et la Mishnah me rajoute, Afilo Horato Shel Rishon Shel Obigusha, et même mieux que ça, même s'il y avait le premier qui a été. Comment dire, conçu, fécondé, horato, horato, c'est le même du mot herayon, tombée enceinte, herayon, horato, elle a été fécondée, du premier, chez l'obigdusha, quand il n'était pas encore dans la gdusha, il n'était pas encore entré encore dans le clan d'Israël, veledato obigdusha, mais qu'après il est né en tant que juif, vacheni horato veledato obigdusha, et le deuxième, il était fécondé et conçu et né dans le peuple d'Israël. J'explique un peu mieux. Trois situations, en fait. Il y a un couple de guérim, des deux goïm, deux bons français, Christophe et Catherine, par exemple, ils décident de se convertir. Très bien. Ils vont se convertir. Il y a maintenant les enfants qui sont encore à leur charge. Lorsqu'ils sont petits, lorsqu'ils se convertissent, eux aussi, les enfants, on les convertit aussi. Les convertis, ils ont la possibilité, après, lorsqu'ils deviennent adultes, à 13 ans, de décider est-ce qu'ils restent juifs ou ils préfèrent rester goyim. Ça, c'est une gemara dans Ktuvot, Daf, Yudalef, Amudalef, je pense. D'accord? Ça, c'est un premier sujet. Maintenant. Donc, maintenant, on a maintenant des enfants qui sont convertis. Ils ont accepté après la conversion aussi. Et finalement, ils continuent à vivre leur vie. Ils se marient. Il y en a un qui meurt sans enfant. La Mishnah lui-même dit, tu sais, l'enfant qui a tout d'abord été conçu alors qu'il n'était pas encore dans le clan d'Israël, il n'a pas de rapport de frère, de père, avec son frère. Ça, il faut savoir, les guérim, selon la halakha stricte de la Minatora, ils ont même le droit de se marier entre frères et sœurs, si ce n'était que Rachamim ont fait des décrets sur ça. Parce qu'ils n'ont pas de rapport de fraternité. À partir du moment où le goy se convertit, il devient Kekatan Shenolad, comme un enfant qui vient de naître, qui n'a plus de rapports familiaux avec tout ce qu'il avait auparavant. D'accord? Il y a certaines. Donc, ils n'ont pas, maintenant, il s'avère que maintenant les frères qui sont nés dans la même famille, du même père, de la même mère, puisqu'ils sont nés Begi Yutan, quand ils étaient encore Goy, ils n'ont pas de rapport de frères entre eux. De ce fait, lorsque un meurt, l'autre n'a pas la mitzvah de prendre sa femme. La Mishnah me rajoute maintenant même mieux que ça. Même s'il y en a un qui a été conçu lorsque sa mère était Goya. Pendant qu'elle était enceinte, elle s'est convertie. Maintenant, il s'avère que maintenant, le petit qui va naître, c'est apparemment, il est né du... D'abord, le petit qui va naître, il n'a pas besoin de se convertir, il s'est converti par l'intermédiaire de sa mère. Tant qu'elle est enceinte, la mère, quand elle s'est trempée, au migvé, en temps pour devenir juif, son fils aussi est devenu juif. Ça s'appelle Horato Shelo Bigdusha Veledato Bigdusha. Là, il a été conçu lorsqu'il n'était pas encore dans la Gdusha, dans la sainteté du Ham Israël, et après, il est né dans la sainteté du Ham Israël. Ce petit n'est pas affilié à son père, parce que son père qui a planté la graine, eh bien, il a été encore goy au moment où il a. Et donc, il n'a pas de. Le fils n'est pas considéré comme son fils, selon la Torah. En l'occurrence, si après, maintenant, imaginez qu'on a maintenant trois frères. Le premier, c'était Benoît, il est né quand il était goy. Le deuxième, allez, Avraham, il est né quand il était déjà juif, mais sans père juif. Et le troisième, c'est, on l'a appelé comment? Allez, Yitzhak. D'accord? Après, donc, Benoît, il n'a aucun rapport de fraternité avec les autres. Et la Mishnah m'enseigne, même entre Avraham et Yitzhak, eh ben, même eux, même si c'est des frères de mère, attention, c'est des frères de mère, parce qu'à partir du moment où il est né de sa mère, qui était déjà juive, il est considéré comme le fils de sa mère. Mais il n'est pas considéré comme le fils de son père. Or, la Torah, elle nous a dit que le Amisa de Yiboum, c'est qu'entre frères de père. Et le père, c'est pas long, il n'est pas considéré comme son père. De ce fait, il n'y aura pas de Yiboum, d'accord? Donc c'est ce que la Mishnah me dit dans l'histoire de Afilu Horato Shel Rishon Shel Obigdusha.
même si, il a été conçu lorsqu'il était chez le Big Doucha, qu'il n'était pas encore dans la Kdusha du Israël, et que malgré tout, Veledato Big Doucha, et après il est né dans la Kdusha du Israël, et le Vacheni et son autre frère, Yitzhak, Orato Veledato Big Doucha. Ça n'aidera pas malgré tout, et ils pourront pas, il n'y aura pas de Mitzvah du bon entre eux. Idem aussi pour une servante, une esclave, qui a été libérée avec ses enfants. Même principe. Il faut savoir, lorsqu'une servante, elle est une esclave qui accouche, les enfants qui vont naître, d'abord, ça va être aussi des esclaves. Mais ils ne sont pas affiliés à leur mère. C'est-à-dire que si un jour, le maître va vouloir libérer et la mère et les enfants, ils n'ont pas de rapport entre frères et ni entre frères ni d'enfants de la mère. C'est comme même statut que des guérims. Mais que des guérims n'ont plus de rapport de liens familiaux entre eux. Ça, c'est du pasouk. Là, on apprend que les esclaves ont le même statut que tant qu'un chamor, qui a pas affilié à un chamor, un animal, quoi, qui n'a pas affilié à son père ou à sa mère. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.